Nous avons commencé un nouveau registre de halakhot concernant Shabbat. On parlait de halakhot extrêmement fréquentes, qui sont les halakhot concernant le muktzé. Traduction du mot, séparé, de côté. Nos sages ont interdit de manipuler certains objets, car ils sont contre l'atmosphère générale de Shabbat, car on peut être amené à faire des interdits, car on peut être amené à porter à l'extérieur. Pour diverses raisons, ils ont interdit de déplacer certains objets. Premier exemple, le titre, Keli chez Melarto Leissour, un ustensile dont la fonction essentielle est de faire un acte interdit. Un exemple tout simple, un marteau, un tournevis, des tenailles. La fonction, c'est de clouer, construire, toute chose interdite. Donc les Chachamim nous ont dit, tu ne touches pas de marteau, de tournevis, de clous, de vis pendant Shabbat. Tout simple. Certes, mais je n'ai pas eu le temps de débarrasser ma table de Shabbat, avant Shabbat. Il y a toutes sortes d'ustensiles, marteau, vis, tournevis, que faire? La réponse est toute simple. En hébreu, les tzorer, goufo, o, mekomo, moutar. Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai besoin du marteau pour faire quelque chose de permis pendant Shabbat, j'ai le droit de prendre mon marteau. Par exemple, j'ai besoin de casser une noix de coco. J'ai le droit de prendre le marteau et de casser la noix de coco. Qu'est-ce qui est interdit? C'est tout simplement déplacer le marteau pour rien ou pour le protéger lui-même. Mais si j'en ai besoin pour une fonction permise, cela est permis. Si j'en ai besoin pour les besoins de l'endroit qu'occupe le marteau, il me dérange sur la table, j'ai besoin de l'endroit où est posé le marteau, je peux prendre le marteau et l'enlever, ou le tournevis, ou les vis. Les besoins du marteau pour quelque chose de permis, les besoins de l'endroit où il est posé, j'ai le droit de déplacer le marteau. Ma porte est bloquée, je dois prendre mon tournevis pour débloquer la porte. Bien sûr, ne rien démonter, c'est interdit. Mais juste déloqueter la porte. Je peux prendre le tournevis et ouvrir ma porte. Puisque c'est une fonction permise, ouvrir la porte c'est permis, je peux prendre le tournevis pour ouvrir une porte. Et tout à l'envie, dès l'instant que la fonction, l'acte que je fais est un acte permis, je peux prendre ce type de muktzé, un ustensile dont la fonction essentielle est de faire une interdiction, de m'en servir pour un acte permis.